Salut, Sieur Conrad de Montferrat. Et voici la compagnie Chantelame. Chantelame ! Ouais ! Donc un petit tour d'horizon. Donc nous sommes une compagnie 13-14e. Sur ma gauche, dit le padré. Merci à toi. Donc on peut voir son équipement. Donc on va commencer par les armes. Donc l'épée, le fauchon. Bouclier, donc ce qu'on voit sous son armure, c'est un gambison. Lucas, approche-toi s'il te plaît. Voilà, donc là nous voyons Lucas avec donc un gambison très épais. Je te remercie Lucas. Ensuite, sur le gambison, donc on va commencer par les mains donc, qui tiennent l'arme. Donc les gantelets. Ensuite, donc il y a toutes les protections, donc bras avec l'espalière. Donc de chaque côté, donc qui protège les articulations. Nous avons la brigandine, donc qui est ou de daim ou de cuir, et donc qui est protégée, donc ou cloutée, ou matelassée, ou alors avec des petites lames d'acier dedans, mais du coup qu'on ne voit pas. Donc nous avons différents types de casques ou home. Donc nous avons le casque nasal par exemple de Lucas. Nous avons le home donc qui peut s'ouvrir ou bien se fermer. Et là nous pouvons voir également Sir Bemen où donc son home donc ne peut pas s'ouvrir. Par contre il est protégé d'une côte de maille au niveau de la gorge. Très utile en étant reculé. N'est-ce pas ? Tout à fait. Pas de se prendre un coup de lame. Donc, pour revenir un petit peu aux armes. Donc là, nous avons une épée deux mains. J'aimerais une épée une main, s'il vous plaît. Ça reste. Donc, nous revoyons également le fauchon. Viens là, Maxime, avec les deux épées, s'il te plaît. Donc voilà, des épées courtes, une main. Donc on peut voir la différence de taille, mais du coup la maniabilité. On peut voir donc dessous la côte de maille donc courte qui pèse environ entre 7 et 10 kg, d'où la meilleure maniabilité de Sieur. Par la suite, Seigneur Hubert. Donc nous pouvons voir Sieur Hubert. Donc qui lui a une côte de maille intégrale avec la côte de maille dite camaille qui protège sa tête et donc où le poids peut être entre 20 et 30 kg suivant si elle est riftée ou doublée. Donc par dessus donc nous pourrons voir les gantelets, le home pesant à peu près 4 kg, certaines pièces d'armure. Donc si vous rajoutez la côte de maille, l'armure, on peut atteindre des poids entre 30 à 40 kg. Bien sûr, tout ceci est au quotidien. Bemen, président de la compagnie Chantelame. Nous organisons plusieurs fois dans l'année des fêtes médiévales à but pour le loisir et une passion entre nous. Et nous sommes environ une quinzaine de membres, tous passionnés par le médiéval. Et on aime bien à chaque fois se mettre dessus tous les week-ends ou pendant les festivités pour donner du spectacle aux gens. Savoyard, hors de métier. Encore.
Oh!